à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, épisode 11, il me semble. Du coup, aujourd'hui, on va enfin essayer d'arriver à Cocorico. Parce que là, on est quand même à l'épisode 11, hein. On n'est toujours pas arrivé. On est quand même loin, je pense, d'arriver à un donjon. Parce que je pense que Cocorico, ce sera juste un village et pas un donjon. Donc, ce sera chaud. Je sais même pas, bah si il y a des donjons dans le jeu, c'est obligé, mais je sais même pas du coup ce que ce sera. Ok, je suis pressée de voir tout ça. Ok, il y a des trucs. Allez, des rubis. Rien du tout. Je vais monter parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants. C'est sûr que si je m'arrête à chaque seconde, je vais jamais arriver à Cocorico, mais... Mais au pire, si ça prend 400 épisodes, bah ça prendra 400 épisodes. Si on peut aller vite, bah on ira vite, et voilà. Attends, j'ai peur de louper des éléments de gameplay, genre hyper importants. Oh, pas le brut! Oh, merci! On est combien maintenant des opales brutes? 8! Là, il y a un pont. Oh, il y a un truc là. Ça se voit tellement qu'il y a un truc. Peut-être un Korogu ou un sanctuaire. Pont de Cocorico. Non, juste un coffre. Rubis bleu. Cet éclat azuré vous donne le sourire. 5 rubis. C'est un peu nul. Perle de marmite. Perle grillée. Cool. Un rubis. Vert. Un rubis. J'ai 186 rubis du coup. Hein? 5 flèches de glace. Merci beaucoup. Par contre, ça sert à quoi? Je suis un peu désolée, mais c'est un peu nul. Je suis un peu coincée. Oh là là, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Bon, maintenant, pour monter... Ça va être chaud. Maintenant, c'est juste là. C'est bon, ça va pas être chaud du tout. Allez. Oui. Et on va arriver à Cocorico aujourd'hui, hein. C'est moi qui vous le dis. Il y a des petites pierres là, j'ai toujours l'impression qu'il y aura des rubis. Alors qu'il n'y a rien. Il y a une pierre où il y aura des rubis. J'ai cru que c'était un sanctuaire, mais pas du tout. Là, je suis sûr qu'il y a un rubis. Il n'y a rien du tout. Il est un peu cassé, ce pont. Il était un peu détruit par les... trucs. Fleur silencieux. Cette plante fleurit dans les forêts et les prairies et la nuit venue émet une faible lueur. Ah, c'est cool. Pourquoi il y a un arbre cassé et d'autres arbres pas cassés? C'est louche. C'est louche. Pourquoi je vais tous les casser? Parce que je me fous du bois. Y'a rien du tout, même pas un Korogu. Mais tiens, je suis déçu. C'est très l'enduro. Cool.
Pour te rendre au village des limites, mais je m'en fiche, je vais. Qu'est-ce que tu as? 150! 72! 20, 40! C'est trop cher! Non, au revoir, t'es un arnaqueur. Ah ouais. What? J'ai vu un truc chelou là. Je sais pas si vous l'avez vu comme moi. Ambre brute. On va continuer, puisque de toute façon là on va bientôt arriver. On y arrivera au village de Cocorico dans 7 épisodes, je suis sûre. Il y avait peut-être un truc là-bas. C'est trop tard. Les herbes d'Hyrule. Je sais pas à quoi ça sert. J'en ai plein. Ouais, oh, y a un mec. C'est ça ce que j'ai vu tout à l'heure. En tout cas, moi, je prends un peu de poulet. C'est qui, lui? Il ressemble à rien, en plus. Ok, d'accord. Non, y a rien. Snifou. Oh, Noya. Oh, Noya! Il y avait un Korogu quand on l'a rencontré. Il nous a dit, oh, mon ami Noya, il nous cherche, un truc comme ça. Noya! Et donc, petite noisette, tu veux me voir? Oui, oui. Youpi, youpi, c'est fantastique. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un va me voir. Je m'appelle Noya. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Méchant monstre, voler ma carcasse adorée. C'est bien un monstre caché derrière ce rocher. Sans ces instruments, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer ma maracasse adorée, s'il te plaît? Mission de précieux maracasse. Allez, je suis gentil, je récupère cette maracasse. Cette maracasse adorée. Utiliser mon petit sabre de la défiance. What? Et donne-moi ça. Oh, il faut que je mange. Vite. Là, je mange ça. Il y a un truc, non? Et je vais manger quelques pommes. Mais c'est nul, ça. Non. Épée de soldat, moi, je veux. Ouf. Ah, encore un coffre? Oh, un coffre! Yes! Bah c'est les maracas, non? Je suis sûr que c'est les maracas. Est-ce qu'il y a un truc? Oui, des pommes. Alors. Bah attends, il y a un truc là. Trop bizarre pour qu'il y ait rien. Maracas de Noya! Noya jouait à peine de cette maracas adorée quand il avait à peine 2 ans. Ok. Faut que je me refasse à manger. Y a pas un truc pour faire à manger ici? Sûrement au village. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher d'aller au village. Maracas!
Mais que vois-je? Mais que vois-je là? Oh, joie! Mes maracas, rends-les-moi, oh, rends-les-moi. Je suis content, Oh, mais écoute, mes maracas, ils sont vides, ils ne contiennent plus une seule macrolongue. Impossible d'en jouer, Snifou. Si j'en avais au moins une, tu pourrais chanter, danser, utiliser le pouvoir pour te remercier. Oh, retire tes sacoches. Oh, yes. Attendez, bah oui, je veux. En fait, les enfants de la forêt ont pris les noix corrompues. Enfants de la forêt, t'en as offert? D'accord. Je viens. Oh, bah les armes, les armes, les armes. Oh, c'est comme 5 sur 5, allez, c'est parti. Allez, lance avec moi, cette petite noisette, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On m'arrange la musique. Petite capture. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Je fais une petite capture parce qu'elle était marrant. J'ai agrandi, grandi le compartiment des armes. Sniff, sniff, toi t'as d'autres noix encore au goût. Celui des armes. Deux, maintenant. Vas-y, arrête de tout me voler mes noix de colle au goût. On se 5 sur 5, ça y est, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez, encore, encore, encore celui des armes. Tu peux me gronder? Je vais rentrer chez moi. Je vais voir dans la forêt Korogu. Maintenant, t'es là. Ou alors, tu veux encore discuter? La forêt Korogu. Je crois que c'est au nord. Remonter l'Ilia vers le nord. Regardez. Au nord. Donc le nord, c'est par là. La forêt Korogu, ça doit être par là. C'est quoi remonter l'Ilia? Donc ça doit être à peu près ici. Je vais mettre Noix Korogu ici. Ça me plaît bien ici. Un tampon ici, parce que ça me plaît bien. Voilà. Comme je l'ai dit trois fois. C'est bon, je l'ai dit trois fois. Ok. Il avait encore d'autres trucs à me dire, je pense. Dès que tu as un. Oh, alors, tu veux encore discuter? Les noix Korogu. Noix Korogu? Oh, c'est des trucs un peu durs que les jeunes Korogu ont. Désolé, je ne peux pas en dire plus, je me suis cassé la voix à force de chanter hi. Pas encore, non. Au revoir! Aïe! Ah, je me suis tordu le cou. C'est pas une bonne idée de faire ça. On va bientôt arriver! Oh là là, ça fera bizarre. Premier village. Non, on peut pas. Oh, j'ai loupé un truc, je crois. Attendez, je crois que j'ai loupé un truc. Non. Non, j'ai rien loupé. Salut, toi. Éclat de rubis. Oh, pardon, j'étais ailleurs. Je pensais. Deux gemmes valent très cher. Il suffirait que j'en ai une de. Pardon.
rien compris à ce qu'elle avait voulu me dire, là, l'autre, mais... Là, je croyais que j'avais oublié un truc, mais en fait, non. Non, en fait, je crois que c'était juste un... une pierre dans la montagne. Y'a un truc qui a cassé, là? Je vois pas trop trop bien. Non. Oh, là, y'a un truc. Ok. Donc, c'est facile. Il suffit juste de mettre... la pierre... bah, ici. Comme ça, ça fait deux carrés. C'est pas ça du tout et j'ai complètement faux, hein, mais... Non, c'est bon. Kologu, encore. Alors, voyons. J'ai 9 noix Kologu. Je vois bien. Oh, grenouille. Grenouille. Deux petites cascades. Avec un peu d'eau. Là, il y a encore un truc à casser. Ah, mais il est loin, le village! Silex. Oh, silex. Ça, c'est cool. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais c'est cool. C'est ça, le village? On dirait, hein. Oh, grenouille. Si c'est ça, mais oh, village de Cocorico, mais ah, je sais pas si j'y vais maintenant parce que c'est quand même un gros truc. Non, j'ai vu un truc qui est brillé en haut. Voilà, le ciel il est bizarre. Hein. Je trouve que le ciel il est plutôt bizarre. Il est pas très 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 rassurant. Avant d'aller au village, on fait des petites bêtises. On va manger ça. Maintenant. Ouais, comme ça on a récupéré toutes nos vies. On a un peu d'endurance pour pouvoir monter en haut de la colline. Non! Bah voilà, pour faire ça... Moi je vais récupérer le truc qui brille en haut, c'est tout. Il m'énerve ce truc là, il m'énerve. Ouf. Ça va m'énerver cette histoire. C'est bon. Non. Tout ça pour deux flèches en bois. Que j'ai même pas pris. Il y avait un œil, il fallait que je tire dedans. Mais quoi? C'est quoi cette blague? C'est quoi les deux Kourougous de chance là que je viens d'avoir? Bon, en tout cas, je sais que je suis méchant, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. On fera le village dans la prochaine vidéo. Comme ça, dans toute la prochaine vidéo, on fera le village de Cocorico. Cocorico. Là, on est à l'ouest de Nécluda. Et là, on est à... Ouais, c'est de Nécluda.
Et là, on est à village de Cocolico. Étoile de Saphir. Oh, c'est toujours la même. Du coup, on va sauvegarder ici au village de Cocorico. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, épisode 11. Du coup, on se dit à bientôt. Salut les amis!